Martine, la petite héroïne de livres pour enfants qui a bercé des générations de jeunes filles sages, se lâche et se met au patois avec un grand classique, Martine à la ferme, en ch'ti, Martine Alsins. Paradoxe, depuis 1954, la série Martine s'adresse normalement aux petites filles. Et pourtant, samedi après-midi, au Furet du nord de Lille, les fans qui attendaient sagement une dédicace ne fréquentent plus l'école primaire depuis quelques années déjà. J'ai appris à lire avec ces bouquins. En fait, mon père, avant de rentrer au CP, il m'avait déjà appris à lire avec ces bouquins. Voilà. Donc, je suis restée une grande petite fille et fan de Monsieur Marlier. Je pense que c'est des personnes qui ont eu une enfance mêlée avec leur grand-mère, qui ne parlait pas toi, comme moi, ça a été mon cas, et qui veulent replonger justement dans ce bain-là, quoi. La série créée par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier a été traduite en 40 langues. Depuis le 3 février, elle s'est enrichie d'une version en picard, Martine Alsins. Une traduction assurée par Bruno Delmotte du premier album de la saga, Martine à la ferme. La fillette retrouve une langue qui se parlait encore beaucoup dans les fermes il y a 50 ans et qui revient à la mode, même si les dédicaces de Marcel Marlier sont faites dans un français et une calligraphie impeccable. Il y a une poésie quand on retourne comme ça dans ce parler de nos grands-parents. Je crois que c'est ça. Ça nous fait un peu chaud au cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas de suite prévue dans les traductions en picard. Cela dépendra du succès de Martine Alsins. Voilà, et la météo, je ne vous la ferai pas en ch'ti. Je vous dis seulement que ce sera mitigé jusqu'à